Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, je suis Monsieur Green. C'est aujourd'hui, lundi 3 décembre, que débute la COP24 à Katowice, en Pologne. Elle s'achèvera le 14 décembre, mais qu'est-ce que la COP et à quoi sert-elle? Pour comprendre, il faut remonter quelques décennies auparavant. Dès les années 70, des études scientifiques montrent une corrélation entre activité humaine et réchauffement climatique. En 1980, les premiers modèles climatiques sont mis au point, permettant un meilleur suivi du phénomène. Suite à une initiative politique internationale, en 1988, le GIEC est créé. Il s'agit d'un groupe d'experts sur l'évolution du climat, pris en charge par l'Organisation météorologique mondiale et par le Programme des Nations Unies sur l'environnement. Il relate l'ensemble des études scientifiques effectuées au cours de l'année et émet un rapport, qui n'est pas une recommandation, mais des données disponibles qu'il transmet aux responsables politiques sur l'évolution climatique et humaine. À aujourd'hui, 5 rapports complets ont été réalisés. Le 6e est prévu pour 2022. De ces prises de conscience successives, va naître en 1992 la Convention climat, que l'on appelle également la COP ou la Conférence des parties. Se déroulant en fin de chaque année, elle regroupe les dirigeants de 196 pays, des chercheurs, des experts, des entreprises, des représentants territoriaux, des scientifiques et des associations. Cette conférence permet de réunir le monde entier autour d'objectifs clairs pour diminuer notre impact sur la planète. Tout serait parfait et dans le meilleur des mondes si tous les acteurs étaient consentants pour fournir les efforts nécessaires. Or, le degré de développement des pays participants et les objectifs économiques de chacun s'opposent souvent, ne permettant pas une réponse unanime aux défis climatiques. Par exemple, le président Trump ne participera pas cette année à la COP24. Et en regardant de plus près les sponsors de la COP de cette année, nous pouvons voir aussi figurer plusieurs grands groupes miniers polonais. Alors est-ce réellement compatible ? Dans un monde régi par la croissance et le PIB, sur une planète où les ressources naturelles sont limitées, il est juste impossible d'accéder à une transition énergétique et écologique sans remettre en question le système économique et financier mondial qui nous dirige. La société civile est prête à ce changement si seulement elle pouvait être accompagnée par une volonté politique et des investissements adéquats. Il semblerait qu'à un problème global, les réponses apportées sont plutôt locales, et prise en main par les territoires et les citoyens qui le peuvent. De nombreuses initiatives existent. Une dernière étude récente nous alerte sur une pénurie d'or noir d'ici à 2025. La raréfaction des ressources, les sécheresses consécutives qui diminuent les récoltes, vont considérablement faire augmenter le prix de nos besoins élémentaires, comme l'alimentation et les énergies, comme le carburant. Il est donc nécessaire de relocaliser pour faire vivre les territoires. Agriculture raisonnée, économie circulaire et collaborative, monnaie locale, autonomie énergétique, habitat alternatif et j'en passe, apportent une solution viable pour les populations qui subissent une mondialisation non contrôlée au niveau financier. À l'heure où beaucoup de citoyens se sentent abandonnés par l'État, travailler ensemble au niveau local est l'ultime solution. L'écologie doit s'emparer de l'économie pour proposer un nouveau modèle de développement non basé sur la croissance financière de certains, mais bel et bien par une recomposition du tissu économique et social au sein même des collectivités. Le 8 décembre aura également lieu une marche pour le climat, un peu partout en France, comme chaque mois désormais, pour rappeler l'urgence de changer de système et mettre le climat et le citoyen au cœur de cette nouvelle construction. Pour conclure, je citerai ce proverbe indien qui nous dit: quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée,
le dernier poisson pêché, alors vous découvrirez que l'argent ne se mange pas. Retrouvez notre chronique en podcast sur la page de la radio, mais également plus d'infos sur la page Facebook, sous la canopée Liberté FM. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça quoi, green, oui. Green, comment ? Oh, super green. Aussi green que ça peut être. Green, 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 green,